Bonjour et bienvenue à tous. Confrontation explosive entre force spéciale et commando de Claude Pivi, filmé par caméra surveillance. Voilà. Observez bien cette vidéo. Regardez, pour ceux, les habitants de Conakry, ça, c'est le carrefour autoroute de Donka. Vous savez, il y a deux sorties là-bas. Ça, c'est une des sorties. Est-ce que vous comprenez? Observez bien l'image. Voyez-le, 6h44. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Le 4 novembre 2023. Maintenant, observez. Vous voyez, il y a la grande mosquée au fond. Ça, c'est le côté Donka. Les citoyens commençaient à sortir ce jour du samedi matin. Et mais il y a une scène, oui, spectaculaire, film hollywoodien, tourné en plein cœur de la capitale de Conakry. Waouh! Ah, force spéciale de Doumbouya. Ah, force spéciale de Doumbouya. Waouh, c'est du incroyable, mais vrai. Vous allez voir des commandos. Waouh! Regardez, il y a les camions qui passent, il y a les riverains qui commencent à marcher. Les gars, sur la première vidéo qui est sortie hier, ils étaient rentrés à 4h43. À la maison centrale, mais ils vont pas fuir. Ils vont pas fuir. Les gars vont rester là jusqu'à 6h. Vous voyez, non, il est 6h45. Ils vont rester là jusqu'à 6h. Vous allez voir les forces spéciales venir là. Restez dans la vidéo. Vous allez voir un film incroyable, mais vrai, en plein cœur de la capitale Conakry. Précisément l'autoroute Fidel Castro. Voilà. Commando, ce n'est pas ami de quelqu'un. Être commando, ce n'est pas dans la bouche des. On voit beaucoup de gens aujourd'hui qui commandent. Observez bien l'image. Ils vont venir. Restez patient. Vous allez être bien servi. Beaucoup de gens qui disent, ah, tu étais là à critiquer Pivi, maintenant tu soutiens Pivi. C'est rentré sorti comme ça. Nous, moi, je suis légaliste. Je vous ai toujours dit, je suis légaliste. Je le reste et demeure. Ni pour Paul, ni pour Pierre, mais pour la vérité, pour que la vérité rayonne. Un point, mille tirés. Voilà. Si quelqu'un doit juger les gens là, hein, c'est un président civil, démocratiquement élu. Mais quelqu'un qui a massacré, tué des gens, 5 septembre, s'il devait commencer à juger les gens, il devait commencer par lui-même. Ouais, c'est ça la vérité. Mamadi est en train de juger pour le massacre du 28 septembre. Massacre du 28 septembre, les victimes officielles, paix à leur âme, je m'excuse, hein, on parle de 150 morts. Victimes du 5 septembre, on parle de 186 morts. Voilà. Ça aussi, c'est un crime. Un crime que le responsable doit répondre de ses actes. Observez l'image. Maintenant, je vais commencer à vous débriefer la vidéo. Vous voyez, il y a deux côtés, côté droite et côté gauche. Regardez côté gauche. Au fond, vous avez vu les phares. D'un pick-up allumé. Ça, c'est un pick-up des forces spéciales. Au fond, c'est pas là où la citerne quitte. C'est pas le côté là où la citerne quitte. Là, l'autre côté là où il n'y a aucune voiture qui circule. Si vous avez remarqué, les voitures ne quittent que le côté droite pour tourner. Mais le côté gauche, il n'y a aucune voiture qui circule. C'est les forces spéciales qui sont en train de venir
lentement. Ils sont en train de marcher. C'est-à-dire, la voiture roule doucement. Il y a certains éléments qui sont à pied. Ils viennent en train de chercher le commando de Verny, le champion Pivi. Est-ce que vous comprenez? Ils sont en train de venir. Vous voyez, la voiture se rapproche. Les gens ont compris. Observez les gens autour. Les gens ont compris qu'il y a les forces spéciales qui arrivent. Les gens ont compris qu'il y a les forces spéciales qui arrivent. Maintenant, l'affrontement arrive. L'affrontement arrive. L'affrontement arrive. Hallucinant. Waouh. Incroyable. Waouh. Spectaculaire. Waouh. Tout ça. Le commando, eux, les commandos, ils ne sont pas partis. Ils vont venir. Ils vont venir. Regardez la venue des commandos. Ils ne sont pas partis. Ils sont là, garés. Vous voyez les forces spéciales qui arrivent. Regardez celui qui marche à pied là, avec son arme en main, prêt, comme si voilà, c'est nous. Comme vous les voyez marcher dans les rues de Conakry. Regardez-les. Regardez-les. Les forces spéciales. L'autre va partir là-bas pour regarder derrière la voiture là-bas. Regardez. Maintenant, les commandos sont juste en face d'eux. Hein. Les commandos sont juste en face d'eux. Regardez. 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 On va tourner la caméra. On va tourner la caméra. On va tourner la caméra. Voilà. Regardez. Vous voyez, les commandos sont arrivés. Les commandos sont arrivés. Regardez les forces spéciales. Hein. Regardez-les. Ils vont fuir là. Regardez l'autre. Regardez. Il se cache. Regardez. Il va tomber. Il tombe. Personne ne l'a touché. Il est tombé. Il va fuir. Ils vont tous fuir. Regardez leur pick-up là-bas au fond. Hein. Ils vont chercher à tourner. Ils vont chercher à tourner. Les forces spéciales. Ils fuient. Ils fuient. Ils fuient. Voici les commandos qui sont là. Voici les commandos. Personne ne fuit. Regardez les commandos. Je retourne là. Regardez pick-up des forces spéciales. Nez à nez ici. Voilà. Je retourne. Maintenant, regardez le mouvement de la population au fond, vers le parc. Vous voyez, non? Est-ce que vous avez compris? Les commandos vont revenir. C'est la pick-up. C'est-à-dire, les commandos vont revenir. C'est la pick-up des commandos qui est à gauche, là-bas, au fond. C'est eux là-bas, à gauche. Est-ce que vous voyez? Ils vont revenir. C'est-à-dire, ils ne vont pas fuir. Ils vont revenir tourner là-bas, se mettre en face avec les forces spéciales. C'est leur pick-up qui est à gauche, au fond, à gauche. Regardez bien. Regardez. Vous voyez leur pick-up? Maintenant, je vais retourner ici, là. Maintenant, vous voyez les commandos qui tournent. C'est eux qui tournent là-bas. Les forces spéciales les ont vus. Maintenant, ils vont tourner, ils vont venir garer de l'autre côté en face des forces spéciales. Il y a un autre pick-up noir qui va passer encore. Deuxième pick-up. Maintenant, les forces spéciales, ils tombent. Les autres, ils vont fuir direct. Ils vont fuir. Hein? Oui, ils vont fuir. Direct, là. Ils vont fuir. Maintenant, le commando est là. Le commando est parti. Ils sont partis contourner là. Ils sont venus ici. Regardez-les. Je m'impose ici. On va les compter. 1, 2, 3, 4. Ça c'est force quoi? Koyo ba. Ou bien force spéciale. Ça c'est force poyo ba. Ou bien force spéciale qui fuit devant 4 commandos. Qui fuit devant 4 commandos. On va continuer à regarder. Regardez les commandos. Il y a un cinquième qui va sortir là. Hein? Parce que j'ai compté les 4 parce que l'autre ne tirait pas. L'autre était parti peut-être se ravitailler. Regardez les forces spéciales. Ils sont en train de fuir. C'est eux qui vont trouver le colonel Bivi. C'est eux là qui vont trouver le colonel Bivi. Comme ils savent qu'eux, ils ne peuvent pas trouver le colonel Bivi. Des vrais comédiens. À l'image
Je dis bien, de leur patron. Est-ce que c'est eux qui vont trouver Pivi, colonel Claude Pivi? Les gens qui fuient face à 4-5 commandos. Ils sont venus dans leur pick-up. Voilà, tournons. On va regarder les commandos. Tournons, hein. On va tourner par là. Regardez les commandos. Ils ne vont pas partir. Ils vont rester là. Regardez-les. Regardez les commandos. Ils ne vont pas partir. Ils vont rester là. Regardez les commandos. Les gars étaient venus prêts pour la mort. Et il y a des hommes comme ça dans notre pays, des vrais commandos qui décident d'affronter toute une armée et qui ne s'enfuient pas, qui restent là. Regardez, ils vont rester là. Les forces spéciales sont partis, eux. Ils sont partis. Ils sont partis. Comptez-vous-même les minutes. Comptez-vous-même les minutes, le temps d'arrêt du commando ici. Personne ne va venir les toucher. Ils vont venir ici. Il y a un qui est touché parmi eux. Voilà, ils vont prendre ce dernier, le mettre dans le... Vous voyez, vous avez reconnu cette pick-up là. Voilà, pick-up policier là. Voilà. Voilà. C'est pas celui qui avait les armes, parce qu'ils ont pris plusieurs pick-up. Voilà, comme je vous avais expliqué. Ils ont pris plusieurs pick-up. La pick-up qui était devant la maison centrale, il y avait l'arme en haut de ça. Il y avait une mitrailleuse là-bas. Et il y a une deuxième pick-up, un deuxième pick-up là qui avait passé là-bas dans la vidéo, si vous avez remarqué. Et ça, c'est un troisième pick-up. Vous comprenez, non? Maintenant, les commandos restent là. Ils ne bougent pas. Regardez-les. 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 Regardez-les, regardez-les. Film dans notre pays. Film dans notre pays. Film dans notre pays. Hein? Regardez-les. Regardez-les attentivement. Ils sont là. Ils ne bougent pas. Les forces spéciales qui devraient, ou bien qu'on dit aujourd'hui, qui sont en train de remplacer notre armée régulière. C'est eux qui fuient devant 5 commandos. Ils sont partis. Si on est attaqué, je ne souhaite pas. Si la Guinée est attaquée aujourd'hui par une force extérieure, est-ce que les gens là peuvent nous défendre? L'armée guinéenne dans son ensemble, regardez ça aujourd'hui. Les forces spéciales qui sont au pouvoir, regardez-les qui fuient contre 5 commandos. Contre 5 commandos. Les commandos, regardez. Le boss avec sa moto là-bas derrière. La moto ne va plus marcher, il va laisser la moto là-bas. On n'a jamais parlé de ça. On nous a dit, il y a pas, les gars, il a laissé sa moto, hein. Il est parti, il va laisser sa moto là-bas, il va partir. Voilà, il va partir. Je retourne. Voilà, il laisse sa moto là. Comme il a vu que sa moto, voilà, ils ont tiré sous. Voilà, on a parlé de moto Apache. Voici la moto Apache. Du fils de son père. Le fils de son père. Le vrai commando, il l'a dit, il l'a fait. Akafo Akake, Akaye, Akafo Akake. Voilà. En tout cas, vrai commando est parti libérer son père. Il vous a prévenu et il l'a fait. Allez-y le trouver. Voilà. Vous aussi, il faut dire que vous avez dit que vous allez les trouver, non? Voilà. Vous savez où ils sont, mais vous n'osez pas aller là-bas. Voilà. On retourne, hein. On va retourner ici, l'affrontement. On va retourner complètement l'affrontement. On va retourner à l'affrontement. Hein? Regardez votre force spéciale. Regardez le bambin là qui tombe. Regardez le bambin là. Regardez. Il va courir. Il va tomber. Personne ne l'a touché. Il tombe. Pouf. Non. Ça, c'est le commando de Mamadi. Non. Ça, c'est le commando de Mamadi. Il va tirer deux coups. Il court. Regarde, pick-up rempli des éléments de force spéciale. Pick-up rempli de force spéciale. Ils vont chercher à tourner. Ils vont chercher. Après, ils vont dire que... Ah, regarde, ils fuient. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme argument pour ça? Qu'ils ont fui pour ne pas que la population soit, voilà, touchée par les balles. Pour qui, il y a quelle population ici? Tout le monde a fui. Si vous avez remarqué, dès que la population va remarquer le mouvement, on retourne. Vous voyez, il y a du monde là. Il y a du monde. Regardez, il y a du monde là. Il y a du monde, non?
Maintenant, dès que les gens vont comprendre, voilà, regardez, les commandos vont venir passer. Vous, regardez, ils sont passés. Ils sont passés. Vous voyez, il y a deux pick-up qui est passé. Il y a deux pick-up. Voilà. Voici la première pick-up qui passe. À gauche là-bas. Ah, là où il y a les forces spéciales. On va compter les éléments de force spéciale ici. Maintenant, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 devant. Ils sont presque 10. Hein. Maintenant, premier pick-up là passe. Hein? Il a passé. C'est les commandos qui sont là-bas. Deuxième pick-up va venir aussi passer. Vous voyez? Deuxième pick-up qui passe. Boum. Lui, il va continuer. Boum, ça va commencer. Hey, le bébé tombe. Le bébé tombe. Hey, le bébé va aller. Il faut aller téter chez Jordan là-bas. Pour aller téter chez Jordan là-bas. Hein? Ils ont vu les vrais commandos. Ils fuient. Hey, 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 ils fuient. Regardez les commandos. Mais non. C'est-à-dire, film gangster en plein cœur de la capitale Conakry. Vous ne rêvez pas. C'est la réalité. Ils ont fui depuis. Voilà, l'action, c'est 6h50. Maintenant, les commandos vont rester là. Hein? Les commandos, regardez, ils vont rester là. Toujours. Faites vos propres analyses. Voilà. Maintenant, les véhicules vont commencer à circuler. Et regardez comment les gars sont préparés. Regardez. Quand ils vont venir prendre leur gars là. Maintenant, eh, un était là à droite et l'autre au fond là-bas. La garde et d'autres qui sont par là. Être militaire, ce n'est pas formation de 3 mois. Être militaire, formation commune de base, c'est 2 ans même. 2 ans. Oui. Ah oui. Regardez. Les commandos, ils n'ont rien à faire des citoyens. Ils n'ont tué aucun, c'est-à-dire civil. Qu'on dit c'est rentré. C'est les forces spéciales maintenant qui sont partis tuer les civils. Les gars là, eux, ils n'ont tué personne. Vous avez vu? Faux. Voilà. Vous voyez, non? Les civils qui circulent, vous avez vu une moto qui passe et vous voyez d'autres gars qui sont en train de travailler vers le côté là où il y a les ordures là-bas, tout au droit, à droite là-bas. À droite, il y a des gens qui sont en train de ramasser quelque chose là-bas, des civils. Ils ne sont pas avec le commando, hein. C'est des civils, mais le commando n'a rien à faire avec les civils. Leur mission, ils étaient venus pour ça, ils ont accompli ça, ils sont partis. Regardez, regardez comment ils sont arrêtés. Waouh. Ils vont mettre leur ami qui est touché. Est-ce que c'est pas de lui qu'on a parlé, qu'un assaillant était touché à Donka là-bas, son corps a disparu? Non. Et ils sont partis avec le gars là. En tout cas, c'est ça, il est là-bas. C'est ici que les gris-gris là sont tombés. Après, les gens ont pris des photos là. Ils ont publié sur les réseaux sociaux. On dit un assaillant tombé, son corps a disparu. Son corps n'a pas disparu. Ils sont partis avec lui. Ils n'ont pas laissé leur ami là. Ils sont partis avec lui. Regardez. Waouh. Voilà. Faites vos propres analyses, des détails, tout. Voilà. Pour ceux qui auront besoin de ça, voilà. C'est tout fort. 224. Voilà. On est ensemble. C'est pour la Guinée. Vivre la vérité, rien que la vérité. Le vivre ensemble, la cohésion sociale, la paix, rien que la paix. C'est l'injustice qui amène ce genre de choses dans un État. S'il y avait la justice, la vraie, les gens n'allaient pas agir ainsi. Chacun allait rester dans son chacun. Alors pour une Guinée unie, prospère, nous devons nous aimer. Oui, nous aimer, c'est d'abord la base. Et accepter la vérité. Arrêtez de faire du mal aux autres. Regardez. Il a laissé la moto là. Il est parti. C'est ça. Il est parti. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.